observation, quelle est sa logique ou quel est son point de départ? C'est évidemment le fait que cette biodiversité ou cette nature, elle est en train de disparaître. Sinon, on n'aurait pas besoin vraiment de la conserver si jamais elle restait dans un bon état, toute seule, ou que les processus humains n'étaient pas en train de la dégrader, on n'aurait pas besoin de la conserver très particulièrement, car contrairement, je dirais, au patrimoine culturel dont on a vu ce matin qui pouvait disparaître tout seul, la nature disparaît pas vraiment toute seule, ou en tout cas, elle peut changer, mais alors sur des temps très très longs, qui ne posent pas de grands problèmes, ou pour revenir sur ce qui a été évoqué ce matin sur les cycles, comment dire, pas hindouistes, mais bouddhistes. Là, les cycles sont tellement longs qu'on ne les verrait pas. Le jour où les éléphants disparaîtront tout seuls, bon, déjà plusieurs générations seront passées. Or, les éléphants, si on prend l'exemple de l'Afrique centrale, eh bien, les éléphants de forêt, il y en a 60% qui ont disparu en 10 ans. Dès lors, on n'est pas dans un cycle de dégradation du patrimoine naturel qui se fait tout seul, de par l'évolution ou de par les cycles bouddhistes, mais on est bien dans une dégradation de ce patrimoine qui est accélérée, qui est, on va dire, suffisamment rapide pour qu'en une ou deux ou trois générations, on puisse voir disparaître des espèces, c'est déjà le cas. Et donc se pose la question de la conservation de ce patrimoine. Alors, j'ai évoqué la question de la pression. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pression de qui et qui gère cette pression et quels sont les acteurs en présence. Et ça sera un peu tout le fil rouge de cette petite discussion, enfin discussion que nous aurons avec les questions après, c'est de derrière les concepts, derrière les mots qui tiennent tout seuls, le patrimoine fait ceci ou le patrimoine subit cela, en fait, évidemment, il y a des acteurs. Petit exemple, en France, par exemple, on a une école du patrimoine. On a parlé ce matin du fait qu'il y avait un manque d'étudiants pour faire ceci ou faire cela. On a des endroits où, globalement, le patrimoine est déjà relativement pris en compte. Et on a même dit qu'il y avait une vague en ce moment, une grande vague de patrimonialisation. Certes, probablement, mais on a dit également qu'en Afrique centrale, cette vague, elle n'était pas si significative que ça. On a parlé beaucoup de patrimoine culturel, avec des dégradations qui ont été évoquées à plusieurs reprises. Patrimoine naturel, ces dégradations sont également en cours. Alors, de manière contrastée, puisque si on prend un écosystème qui est bien connu en Afrique centrale, qui est celui des forêts, les forêts, en fait, se dégradent, somme toute, assez lentement. Mais en revanche, l'intérieur des forêts, et en particulier la faune, se dégrade très vite. Elles se dégradent pour quelles raisons ? Ou du fait de quels acteurs, ben, de manière assez évidente, on a une exploitation de cette nature, de cette biodiversité, pour des raisons diverses et variées. On a évoqué ce matin la marchandisation de l'environnement, c'est pas quelque chose de récent. Ce qui est peut-être plus récent, c'est l'intensité de cette exploitation. Alors évidemment, si on parle d'exploitation de la nature, en général, on ne parle pas d'exploitation du patrimoine naturel. Ou alors, quand on parle d'exploitation du patrimoine naturel, c'est plutôt dans un cadre de valorisation. Donc en général, ça a une connotation plutôt, enfin, c'est plutôt positif comme appréciation. On valorise le patrimoine naturel. En revanche, quand on parle de nature qui disparaît, en fait, on parle souvent plutôt des ressources naturelles. Petite distinction sémantique très intéressante, puisque selon qu'on parle de patrimoine naturel ou de ressources naturelles, évidemment, le traitement n'est pas le même et du point de vue philosophique, mais également du point de vue économique et finalement du point de vue politique. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes gens qui vont parler de patrimoine naturel ou de gens qui vont parler de ressources naturelles. Et ces gens relativement différents peuvent avoir des visées également différentes. Si on parle de patrimoine naturel, ça a été beaucoup évoqué ce matin, la grande référence, c'est évidemment le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui classe plus ou moins chaque année un certain nombre de sites du patrimoine naturel. Il y en a au Cameroun, il y en a quelques-uns dans la région. Il est intéressant de noter que je crois que pas l'intégralité, puisque la Lopé au Gabon a été classée site du patrimoine naturel et n'est pas en danger. Le Dja au Cameroun n'est peut-être pas encore classé en danger, mais ça ne saurait tarder. Et tous les sites patrimoine naturel de RDC sont tous classés en danger. Donc comme quoi, il n'est pas suffisant d'être classé site du patrimoine naturel pour ne plus être dégradé. Cette conservation n'est pas garantie, elle est en tout cas sur le papier, mais on sait que ça ne suffit pas pour conserver ce patrimoine naturel. Vous avez peut-être entendu parler des grands débats qu'il y a eu sur les Virunga
récemment. Le parc national des Virunga, probablement une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne, et en tout cas la plus célèbre, la plus remarquable de toutes les réserves de nature, si on peut dire, d'Afrique, et qui, évidemment, grand débat, puisque elle, en dessous du parc national des Virunga, il y a du pétrole. Et donc la question était de savoir est-ce qu'on va ou non exploiter ce pétrole. Si on exploite ce pétrole, alors dans ce cas-là, il faut déclasser ce patrimoine mondial. Et si on déclasse ce patrimoine mondial, alors c'est un des plus anciens, un des plus connus, un des plus célèbres, un des plus importants, évidemment, ça engage beaucoup de débats politiques. Et donc la question, une fois de plus, revient à se demander qui est impliqué dans cette décision, comment cette décision va être prise. On y reviendra un peu après. La différence entre un patrimoine naturel et des ressources naturelles, elle peut être illustrée par cette petite carte du Fonds monétaire international qui illustre les grands exportateurs de ressources naturelles. Lesquelles ressources naturelles, évidemment, sont plutôt prises sous l'angle de minerais, mais ça peut être aussi des ressources plus ou moins renouvelables, du bois, etc. Évidemment, vous comprendrez que les gens qui sont intéressés par la carte à droite ne sont pas nécessairement les mêmes gens qui font la promotion du logo à gauche. Parfois, ces gens peuvent s'entendre, on y reviendra, parfois ces gens peuvent s'opposer, et une des questions qui se pose pour l'assistance que vous êtes, c'est quels sont les arguments des uns, des autres, quels sont les objectifs des uns et des autres, et éventuellement, vous-même, en tant que futur acteur de la société, décideur, pourquoi pas, ou chercheur, observateur, quel sera votre point de vue à cet égard ? La question, une des différences qui existent entre l'approche patrimoine et l'approche ressource, c'est celle de la valeur. Ça a été abordé en partie ce matin également. On a tout un tas de façons d'aborder la question de la valeur. Ce petit tableau qui est à gauche, je ne vais pas du tout le commander en détail. C'était juste pour vous préciser que ce genre de tableau, si vous vous y penchez deux secondes, vous allez reconnaître qu'il ne peut pas provenir du milieu UNESCO patrimoine mondial. En termes de vocabulaire, en termes de structuration, ça ne ressemble pas vraiment à une approche patrimoine mondial. Ça vient très clairement du secteur management, économique, etc. Et vous avez, malgré tout, on peut quand même revenir sur des approches plus patrimoniales ou plus philosophiques, puisque on voit apparaître les valeurs d'usage et les valeurs d'échange, vieille distinction qui remonte, si je crois, jusqu'à Aristote, et qui distingue la valeur. On pourrait même prendre le patrimoine tel qu'il existe dès lors qu'il est sur un marché, dès lors qu'il est échangé. Et ce matin, une chose très intéressante a été dite sur le lien qu'il y a entre l'écrit et la monnaie. Là, on a un exemple typique, puisque dès lors qu'on va vouloir faire de l'échange dans le monde contemporain, en général, ça va se faire à travers, évidemment, des échanges monétaires. Et ce qui ne pourra pas être décrit d'un point de vue monétaire ne pourra pas être échangé facilement dans le monde contemporain. Dès lors, on se retrouve avec une partie du patrimoine qui pourrait ne pas être échangeable, perdre sa valeur et dès lors ne plus être conservée. En revanche, si on parle des valeurs non plus d'échange mais d'usage, on réélargit le champ du patrimoine et une partie va se retrouver en dehors des questions de marché. Alors évidemment, ça pose la question de savoir si la nature est plutôt un patrimoine qui a plein de valeurs, dont des valeurs d'échange, ou si ce sont les valeurs d'échange qui importent, et à l'intérieur de ce cadre-là, on peut admettre un petit secteur de type patrimonial, mais qui ne sera conservé que si jamais, malgré tout, il peut être valorisé économiquement. Donc la question, c'est de savoir, entre les deux poupées gigognes, laquelle englobe l'autre. Et ça, une fois de plus, on va retomber sur des questions de décision, sur des questions de politique, sur des questions de logique d'acteur. Mais comme le petit tableau le montre, on peut même aller plus loin. On peut arriver hors valeur. On peut avoir, pourquoi pas, de la nature qui n'a aucune utilité. Si elle n'a aucune utilité, ni dans le tourisme, ni dans le bois, dans le ligneux, dans le non-ligneux, on a parlé ce matin également des services environnementaux. Ça procède d'une logique toujours de marché, puisqu'on essaye de faire rentrer un maximum du patrimoine naturel à l'intérieur des logiques de marché, mais imaginons qu'il y ait une partie qui ne rentre pas. Elle n'a pas de valeur de marché, elle est juste inutile. Je vous mentionne ce livre, que j'apprécie particulièrement, mais
qui a eu le mérite d'avoir le prix Goncourt en France en 1956, je crois, et qui est réputé, en tout cas dans le monde francophone, comme étant peut-être le premier livre qui parlait d'écologie, qui est un roman, et qui prétendait évidemment absolument pas parler d'écologie à l'époque, c'était pas le sujet de Romain Gary. Mais néanmoins, ça en parle très bien, et ça parle très bien de la question du patrimoine naturel dès lors qu'il n'a pas de valeur. Qu'est-ce que dit en substance Romain Gary dans ce livre, qui est donc, comme je le rappelle, plus ou moins écrit au sortir de la guerre? Eh bien, c'est que si l'humanité ne s'intéresse qu'à l'utilité, alors ça la conduira nécessairement à revenir au camp où sont éliminés les gens qui sont considérés comme inutiles. Mais je pourrais citer, je ne sais pas, des films de science-fiction que vous connaissez peut-être comme Soleil Vert ou autre, c'est-à-dire que tout ce qui est inutile est fini par être écarté et pourquoi pas éliminé. Conclusion de Romain Gary, le propre de l'humanité, c'est d'être capable de conserver l'inutilité. Et de son point de vue, qu'est-ce qu'il y a de plus inutile, de plus encombrant, de plus problématique, de plus embêtant, de plus conflictuel que par exemple un éléphant? Une petite partie des éléphants, vous pouvez les mettre dans un zoo ou dans une réserve touristique, et cela, vous allez pouvoir les exploiter financièrement. Mais la grande partie des éléphants, c'est une source de problèmes. C'est inutile. Alors la question qui se pose en termes de patrimoine, c'est est-ce que c'est un patrimoine, certes inutile, mais à conserver ou pas? Toujours des décisions à prendre. Ce qui nous emmène donc à la question de la gouvernance. Ça a été dit ce matin, la gouvernance, pour faire très simple, c'est la question de qui et comment sont prises les décisions. Vous voyez bien évidemment le lien avec tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. La première question, c'est qui? Alors on ne voit pas le détail de ce qu'il y a sur ce petit tableau, mais en gros, pareil. Alors les illustrations, c'est quelque chose que je fais presque à chaque fois que je fais une présentation. Je m'intéresse aux mots clés du sujet qu'on m'a proposé, et je vais tout simplement sur Internet, en général sur Google, et je regarde qu'est-ce qui illustre le mot en question. Donc si jamais je mets partie prenante, eh bien je trouve ça par exemple. Alors partie prenante, là on a les décideurs, les producteurs, non, créateurs de valeur durable. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que ça peut vouloir dire, créateur de valeur durable, c'est un charabia très intéressant. Mais bon, en tout cas ça distingue les trois composantes classiques du durable, c'est-à-dire le social, l'économique et l'environnemental. À l'intérieur de ces trois sphères, vous avez des listes d'acteurs. Il me semble que dès lors, quel que soit le sujet dont on aborde, il me semble toujours important de revenir sur quels sont les acteurs qui sont impliqués, autrement dit, les parties prenantes. Comme je l'ai dit, le qui. On reviendra évidemment sur le détail juste un peu après. La deuxième question qui se pose, c'est, une fois qu'on sait quels sont les acteurs, eh bien, où est-ce qu'ils vont commencer à négocier ? Là, c'est intéressant, pareil, ça vient de Google. Vous avez des acteurs autour d'une table. Ça peut permettre de dire plein de choses. La première, c'est d'une part, ces acteurs sont indifférenciés. Alors, c'est intéressant parce que dans l'imagerie moderne, une négociation, ça se fait entre des acteurs qui, globalement, sont similaires. Je pense que vous êtes déjà, dans votre jeune expérience, assez convaincu qu'il est rare que des négociations se fassent entre des acteurs équivalents, égaux ou similaires. Évidemment, une négociation, je dirais presque structurellement, c'est entre des acteurs qui sont inégaux, inéquivalents et absolument pas similaires. Ça peut être en termes de couleur, ils sont tous la même couleur, mais c'est de plus en plus rare. C'est évidemment en termes de statuts sociaux, ça va être en termes de capitaux au sens de Bourdieu, quel capital culturel, quel capital social, quel capital économique, etc. Et évidemment, ces négociations ne se font pas entre acteurs équivalents. La deuxième chose dont qu'on peut se demander, c'est quels sont les acteurs qui ne figurent pas à la table. Si je prends le capital naturel, bon, je fais juste une petite parenthèse, vous m'excuserez, mais je ne vais pas mettre beaucoup de photos d'éléphants, de forêts, de volcans, de choses comme ça. Vous aurez compris que si jamais j'ai quitté mon coin éloigné là-bas, c'était parce que j'étais intéressé par les éléphants, les volcans et les belles forêts. Mais en fait, depuis 14 ans, je travaille de moins en moins sur ça et de plus en plus sur cette question-là de qui est à la table. Je ferme la parenthèse et donc je reviens à ma table. Une question qui se pose, c'est évidemment qui est à la table. Une deuxième question qui est intéressante, c'est qui n'est pas à la table. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez assez facilement imaginer que dans la plupart des négociations sur les patrimoines ou ressources naturelles, selon l'angle d'attaque,
il y a des acteurs dont on parle, mais qui sont rarement à la table. On a évoqué déjà aujourd'hui les communautés, mais on peut même aller plus loin, les peuples autochtones, les pygmées, mais je pourrais même citer les éléphants eux-mêmes. Certes, le mot patrimoine tel qu'il a été défini ce matin est anthropocentré, c'est-à-dire que ne fait patrimoine que quelque chose qui est défini comme tel par les humains. Mais la nature elle-même, elle existait au préalable et évidemment, elle ne se définit pas elle-même comme patrimoine, elle ne peut être définie comme telle que par nous. Certes, mais il y a quand même quelques personnes, prenez Bruno Latour ou d'autres, qui invitent aujourd'hui, enfin il y en a d'autres hein, aujourd'hui, qui disent dans une gouvernance, il faut trouver des représentants de cette nature, de telle sorte qu'elle puisse participer à la négociation. Évidemment, ça ouvre beaucoup de questions, mais une fois de plus, je vais plus vous lancer des questions que vous apporter des réponses. Donc nous avons la question de est-ce que tous ces gens sont égaux? Est-ce qu'ils disposent des mêmes capitaux ou capacités? Quels sont les absents? Si j'en reviens plus spécifiquement à la table de négociation, nous avons un patrimoine qui est en cours de dégradation et il faut le conserver. Assez classiquement, on va dire, bon, ben dans ce cas-là, il faut se concerter pour se faire, il faut négocier pour se faire. Où est la table? Qui invite à la table? Qui finance le buffet? Autant de questions fondamentales pour savoir comment va se passer la négociation sur le devenir du patrimoine en question. Question qu'on n'a pas trop abordée aujourd'hui dans nos présentations, mais qu'on a abordée, qu'en revanche, qui ont été abordées dans les questions. Puisqu'il a été demandé, oui, mais les pouvoirs publics, que font-ils? Mais oui, mais les entreprises, on a parlé d'archéologie préventive, d'accord? On a mentionné les entreprises, c'était intéressant. On s'est rendu compte que c'était en général les entreprises qui avaient entraîné des projets, des chantiers d'archéologie préventive. Pourquoi? La réponse, elle coule de source. On a dit, mais oui, c'est assez évident, ils ont de l'argent pour le faire. On a parlé aussi des bailleurs, on a dit, regardez, ce sont les bailleurs qui entraînent l'ouverture de ces chantiers. Pourquoi les bailleurs? Probablement parce qu'ils ont aussi les moyens de faire ces chantiers, financés, mais probablement les moyens politiques de les imposer. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent la peine de les imposer? Probablement parce que quelqu'un leur a dit de le faire. Est-ce que c'est eux-mêmes parce qu'ils sont amoureux de l'archéologie et du patrimoine culturel, ou est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres gens qui leur ont mis une certaine pression? Et là, on se repose la question de savoir, finalement, qui finance la table de négociation, qui a invité les gens à la table de négociation, etc. Une fois de plus, beaucoup de questions, mais je suppose que vous avez vous-même déjà beaucoup de réponses à ce genre de choses. Alors, ça peut soulever quelques questions intéressantes sur une vision un peu moins, stratosphérique et conceptuelle de la conservation du patrimoine, quel qu'il soit, patrimoine naturel, patrimoine culturel, mais qui est plus pragmatique, en tout cas plus concrète et assez issue du terrain. Je ne suis pas chercheur, hein, je le précise. Est-ce que nous sommes... Parce que quand j'ai tapé partie prenante, négociation, etc., j'ai eu beaucoup d'images de poignées de main. Alors soit deux mains qui se serrent la main, soit même carrément 5-6 mains qui toutes se tiennent le coude et dans une grande harmonie, etc. Bon, bizarrement, je n'ai pas choisi celle-là, enfin pas celle où il y avait les mains qui se serraient, mais plutôt celle-ci. Parce qu'il me semble qu'elle est un peu plus représentative du quotidien des gens impliqués dans la conservation du patrimoine naturel ou d'autres patrimoines, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique centrale telle que je la connais depuis 14 ans. C'est-à-dire que malgré tout, ces négociations, elles ne partent pas sur des points de vue a priori convergents. D'ailleurs, ce serait illogique, sinon il n'y aurait pas de négociation, on serait juste en train tous de serrer la main en permanence. En général, qui dit négociation dit qu'il y a eu divergence initiale. Et il va y avoir un rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va écrabouiller l'autre systématiquement, mais en tout cas, ça commence en général par un rapport de force entre des points de vue qui sont souvent divergents. Et la question va être de savoir comment on va gérer ces points de vue divergents, si possible, pour les faire converger, si on est dans une approche plutôt coopérative, parfois juste pour en faire gagner un, si on est dans une approche plutôt compétitive. Et évidemment, la question d'un tel jeu de bras de fer, puisqu'on peut quand même, on n'est pas obligé de le dramatiser, c'est de savoir quelle va être la règle du jeu. Comme je l'ai dit, il est rare qu'autour d'une table de négociation, on trouve que des joueurs égaux. Les joueurs ne sont pas égaux.
Alors on sait que parfois, dans la réalité, on a des joueurs qui, parce qu'ils sont plus faibles, se mettent à plusieurs, histoire de pouvoir affronter un joueur un peu plus fort. Mais malgré tout, il y a des règles du jeu qui sont écrites. On a sauté en partie l'intervention juridique, mais tout le monde sait bien que si la loi, en général, l'esprit de la loi est malgré tout de compenser les inégalités de facto, les inégalités naturelles, si on peut dire, dans la réalité, dans la région, un grand nombre de lois sont écrites et ne sont pas appliquées. On peut supposer que les inégalités supposées être corrigées par la loi n'ont pas été corrigées, que malgré tout elles s'imposent elles-mêmes à la loi, et que la loi n'est pas appliquée parce que les processus d'inégalité perdurent, s'imposent malgré tout. Et ça, c'est bien la règle du jeu. Il y a deux règles du jeu. Il y a la règle du jeu annoncée, et puis il y a la règle du jeu de facto réelle, celle qu'on constate chaque jour. La règle du jeu annoncée, c'est la loi, et la règle du jeu réelle, c'est ce qui se passe selon que la loi est appliquée ou pas appliquée. Vous-même êtes bien placé, pour ne pas dire mieux placé que moi, pour savoir quels sont les secteurs où la loi vous semble être appliquée beaucoup, un peu ou peu. Et il en est évidemment de même sur les questions de patrimoine. Alors, le troisième et dernier point de ma succession de questions que je vous adresse, ou en tout cas d'éléments de réflexion, après avoir abordé la question de la nature en tant que patrimoine ou en tant que ressource, ce qui était plutôt une approche économique. La deuxième partie était orientée sur la question de la gouvernance, qui était une approche plutôt, on va dire, proto-politique, pas vraiment le contenu des politiques, mais en tout cas les modalités de la politique. Et la troisième composante, c'était le territoire. Alors, le territoire, évidemment, c'est un des espaces plus ou moins, d'échelle variable, interconnectés de manière variable, etc. Mais qu'est-ce qui caractérise, en général, en tout cas dans l'approche francophone, puisque comme il a été dit ce matin, les termes, évidemment, quand on change de langue, ils existent. On a dit que le mot patrimoine n'existait pas partout. De même, le terme territoire n'est pas utilisé partout, et quand même, dans un monde où l'anglophonie est évidemment devenue une référence, en tout cas tant que c'est pas le mandarin, on ne trouve pas vraiment la même acceptation chez les anglophones du mot territoire, pas la même acception qu'en France. Ils utilisent beaucoup, par exemple, landscape. Dans la région, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des. Beaucoup, landscape use, planning et autres, beaucoup de choses sur le landscape. Or, le terme de territoire, chez les francophones, n'est pas exactement le même que ou le paysage, qui est la traduction habituelle de landscape. Qu'est-ce qui fait la plus grande différence qu'il y a entre les deux ? C'est qu'en général, chez les francophones, le territoire est un espace, certes, mais qui est investi dans un grand nombre de projections politiques, juridique, administrative, culturelle, symbolique, comme ça a été évoqué juste un peu avant, d'un point de vue de la socio-anthropologie, etc. Donc, vous voyez bien évidemment la différence qu'il peut y avoir, un peu philosophique, qu'il peut y avoir entre un paysage, un landscape, et un territoire. Le paysage, évidemment, traduit souvent des phénomènes humains, on va faire simple. Mais il les traduit. Le territoire fait plus que. C'est plus que simplement les traduire visuellement. C'est les traduire à tout point de vue. C'est-à-dire que le paysage est un produit de projection humaine. Donc là, vous avez un petit nuage de mots qui sont rattachés. Espace, géographie, ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Mais ce qui devient intéressant, c'est sens, politique et tout un tas d'autres mots qui sont rattachés à la question du territoire. Alors, là, je fais le lien entre l'aspect géographique, spatial, l'aspect politique, conceptuel du territoire. Quel est le lien avec le patrimoine ? Eh bien, je reviens à mon dada, à mon fil rouge depuis le début, qui décide quoi ? Un territoire, c'est un espace investi d'enjeux politiques. Maintenant, ça c'est très neutre, c'est un peu comme je le dis, c'est un peu stratosphérique. Maintenant, si on rentre concrètement dans la réalité, tous les territoires ne se valent pas. On a des territoires centraux et des territoires périphériques. Là, aujourd'hui, on a pas mal opposé le local avec le national au sens comme si ça englobait toutes les localités.
Mais en fait, souvent, le national n'est pas simplement un phénomène d'addition de toutes les localités. C'est également un phénomène de hiérarchisation. Chaque nation, en général, dispose d'une capitale, parfois deux. On distingue, comme au Cameroun, une capitale économique et une capitale politique. Mais de toute façon, il y a des capitales. Ces capitales, elles sont hiérarchiquement, politiquement, pas égales, évidemment, ni à des localités, et elles ne sont pas non plus la somme des localités. Elles ont une relation politique avec ces localités. Et donc, bien souvent, la question du patrimoine, surtout quand on parle de patrimoine naturel, elle se pose en question de, en termes de hiérarchie, rapport de force entre une approche venue de la capitale et une approche venue des localités, pour faire simple. Et évidemment, si on parle de patrimoine naturel, eh bien, il est essentiellement chez les uns, mais il est essentiellement géré par les autres. C'est-à-dire que ce sont souvent les gens de la capitale qui décident des modalités de conservation d'un patrimoine naturel qui, lui, est chez les autres. Vous voyez bien, évidemment, la difficulté. La question étant de savoir, sur ce petit dessin, si la capitale décide hiérarchiquement par rapport aux localités, ou si tout le monde est plus ou moins à égalité, et que dans ce cas-là, on a une gouvernance relativement équilibrée entre les différents décideurs. On en revient à ma table de négociation, qui était de savoir si tout le monde avait la même voix à la table de négociation ou pas. Et je pense que vous savez que dans la vraie vie, le win-win est assez rare et qu'il y a quand même toujours, finalement, quelqu'un qui arrive à la table de négociation avec un peu plus de capacité d'action que les autres. Et ça se traduit également dans l'espace. Bon, je pense qu'il doit y avoir des gens parmi vous qui se souviennent, ou qui voient simplement la carte du Cameroun. Est-ce qu'il y a une répartition des infrastructures, une répartition des infrastructures de communication, des infrastructures de santé, des infrastructures d'éducation qui est équivalente sur tout un territoire? Est-ce que les capitales bénéficient en proportion de population ou en proportion d'espace des mêmes infrastructures que les autres? La réponse, ça semble assez évidente. Si on reste toujours sur une vision un peu politique du territoire, deuxième petit dessin que j'ai sorti, on a abordé le bottom-up, top-down. Alors en Europe, en particulier chez les gens de la Commission européenne, mais c'est vrai de plus en plus en Europe et dans le monde maintenant, ça c'est souvent aussi traduit sur une question de subsidiarité. Donc j'ai tapé subsidiarité, j'ai trouvé ce petit dessin. Alors c'est intéressant parce que le petit schéma à droite, il est en fait également venu du monde du management entrepreneurial, c'est-à-dire de qu'est-ce que la subsidiarité à l'intérieur d'une entreprise. Et donc M, c'est un manager et C, c'est un collaborateur. Mais on pourrait tout à fait dire que M, ce serait la capitale et C, ce serait les communes, les communautés, peu importe. Qu'est-ce que dit en gros, pour faire simple, on a est-ce que les communes contribuent au fonctionnement de la capitale ou est-ce que c'est la capitale qui contribue au bien-être des communes? La question peut sembler un peu bizarre, mais en fait, elle est assez intéressante si on s'y penche deux secondes, puisque est-ce que les gens qui sont à Yaoundé exploitent toutes les ressources disponibles dans les communautés plus ou moins loin, ou est-ce que ce sont les gens de Yaoundé qui se mettent au service des communes et communautés qui sont plus ou moins loin? Qui bénéficie à qui? Qui négocie avec qui? Dans le schéma, là, c'est délégation, subsidiarité. C'est-à-dire que la grosse flèche à gauche, ça veut dire que ce sont les collaborateurs qui rendent compte fondamentalement au manager. Donc ça veut dire que le manager décide et les collaborateurs doivent... Ah, plus d'électricité. Donc, c'était ma dernière slide, donc ça tombe bien. Dans un cas, on a ce qui s'appelle rendre des comptes de manière hiérarchisée vers le chef. Et de l'autre côté, ce qui arrive parfois dans un certain nombre de structures, c'est que le chef, ou supposé appelé chef, et parfois il arrive que structurellement, ou en tout cas dans les textes, le chef soit au service de la structure, y compris de tous les collaborateurs. Donc évidemment, c'est une façon de voir la hiérarchie, le réseau et même l'objet ou la philosophie même de la structure en question, de l'organisation, qui est sensiblement différente. Et je pense que spatialement, on peut le traduire, c'est-à-dire est-ce qu'une capitale est au service du territoire national ou est-ce que le territoire national se retrouve plus ou moins au service de la capitale ou des capitales. Ça peut paraître assez abstrait, mais si jamais on reprend nos histoires de patrimoine naturel, si je prends les forêts, si je prends la faune, est-ce que la faune, on la
traitons-la en termes de ressources naturelles. Est-ce que la faune est destinée à nourrir en priorité les populations locales ou est-ce que la faune est destinée à nourrir en priorité les populations de la capitale ? Dans toute l'Afrique centrale, sans exception, la faune disparaît, enfin celle qui est utilisée comme gibier, elle disparaît du fait de la consommation des villes, des grandes villes, et qui se retrouvent en insécurité alimentaire, ce sont les gens des campagnes, qui d'ailleurs parfois contribuent au braconnage, c'est-à-dire à la chasse illégale, au profit des villes, et qui s'en trouvent eux-mêmes dépourvus. Mais c'est la réalité des rapports de force. Et donc on peut se demander si la ville est au service de la campagne ou si c'est l'inverse. Très clairement, en termes de gibier, c'est l'inverse. Les campagnes sont au service des villes. Mais ce n'est pas seulement en Afrique centrale, parce que si vous prenez les paysans ou agriculteurs, autre différence sémantique en France, vous verrez que le débat est exactement le même. Mais pour le ligneux, le bois, c'est pareil. Tout le monde dit, oui, la forêt, il faut qu'on puisse accéder à du bois de chauffe, le bois énergie, il faut accéder à du bois de construction, etc. C'est vrai, mais est-ce que vous pensez que fondamentalement, ce sont les villages qui, aujourd'hui, sont à la cause principale, par exemple, de la déforestation pour du bois de chauffe? Dès que vous avez une ville, en général, le bois de chauffe part vers la ville. C'est assez logique parce qu'ils en utilisent plus. Et ainsi de suite. Il arrive que les zones rurales soient la première cause de perte de patrimoine naturel, mais si on est dans le cadre de l'Afrique centrale ou les zones rurales en dehors de peut-être la RDC et quelques autres endroits, les zones rurales sont globalement moins peuplées et moins dynamiques, ce sont bien les villes qui sont responsables de tout ça. Donc, vous aurez compris que je vous ai posé bien plus de questions que je n'ai apporté de réponses, mais j'espère en tout cas que ça vous aura donné un éclairage un tout petit peu différent sur la notion de patrimoine naturel et de conservation du patrimoine naturel. Juste une petite phrase au cas où on me pose la question, j'anticipe, parce que c'est une question qui est souvent posée. Parmi les ressources naturelles, on a effectivement les mines, le pétrole, etc. Et donc il est souvent dit, mais quand même, pour le développement de nos pays, y compris les zones rurales, comment pouvez-vous demander à ce qu'une réserve empêche l'exploitation de telle ou telle ressource naturelle? Si je prends l'exemple des Virunga, le pétrole. Ma réponse, elle est très très simple. Depuis 14 ans que je suis dans la région, si je prends les Virunga, la RDC est, comme on le dit souvent, une sorte de scandale géologique. Ils ont tellement de ressources que c'en est incroyablement inégal, je dirais, par rapport à tous les autres pays de la région, pour ne pas dire du monde. Ces ressources sont connues depuis des décennies. Le niveau de développement de la RDC, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Pensez-vous qu'un forage de pétrole supplémentaire dans les Virunga fera une différence pour le citoyen de RDC? Pensez-vous que l'ouverture d'une mine de fer sur l'emplacement du parc national, enfin du DJA, patrimoine mondial enregistré à UNESCO, est-ce que cette mine supplémentaire va changer quoi que ce soit au niveau de développement du citoyen camerounais? Si vous pensez oui, alors effectivement, je comprends que les débats se posent sérieusement de savoir si oui ou non on va ouvrir une mine supplémentaire au Cameroun à l'emplacement du DJA. Mais s'il y a un certain nombre d'éléments qui vous font penser qu'une mine de plus ou une mine de moins ne fera pas une différence significative, en tout cas pas dans les prochaines années, pour le développement du citoyen lambda camerounais, dans ce cas-là, c'est que le problème il est ailleurs. Une mine de plus ou une mine de moins ne fera pas de différence. En revanche, on peut peut-être se pencher un peu plus sur la question de savoir quelle est la table de négociation, qui est à la table de négociation et comment se font les négociations sur l'exploitation des ressources naturelles en question. Et peut-être qu'on pourra avancer davantage. Je vous remercie. La question plus spécifique de l'accompagnement ou de l'enjeu d'un forage, d'une mine, ou etc. On va retrouver plus ou moins les mêmes choses, mais à une échelle spécifique, locale. Je vais prendre un exemple que j'ai eu à connaître de très près au Gabon. Une compagnie pétrolière, une énorme compagnie pétrolière chinoise internationale, se trouve faire une sismique, c'est-à-dire faire une prospection
sur une zone qui se révèle être un parc national. Et en plus, un des parcs nationaux les plus célèbres du pays et les plus importants du pays. Un petit peu les Virunga du Gabon, qui s'appelle le parc de Luango. Que la compagnie ait été informée ou non du fait qu'elle se retrouvait faire une prospection pétrolière dans un parc national, en tout cas, elle l'a fait. Et quand elle a commencé à faire exploser des mines, bon, je ne rentrerai pas dans le détail de ce que c'est qu'une sismique de deux dimensions, mais bon, elle a commencé à faire exploser des mines dans une lagune, et il y avait des bateaux de touristes qui passaient à côté des mines et qui se retrouvaient avec des geysers qui explosaient à côté d'eux. Bon, ça a fait un petit peu de bruit, évidemment. Et donc, on s'est retrouvé avec deux acteurs, au moins, les gestionnaires de l'air protégé. Enfin, plusieurs acteurs, en fait. On avait les gestionnaires de l'air protégé, on avait les opérateurs touristiques, puisqu'on parlait de valorisation du patrimoine naturel. Là, on avait les opérateurs touristiques qui étaient un peu choqués de voir des ouvriers arriver en combinaison faire sauter des mines dans la lagune. Tout le monde, évidemment, est revenu dans la capitale, puisque c'est là où ça va se jouer. Et dans la capitale, ils sont allés voir le ministère des Mines, le ministère des Hydrocarbures, etc. Et il a fallu ouvrir une négociation. Et pendant 6 mois, aucune négociation ne s'est ouverte. Les uns disant, nous avons un contrat signé par tel et tel et tel ministère. Les autres disant, nous avons un territoire qui a été validé par tel et tel et tel ministère. Comment se fait-il qu'il y ait opposition? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les informations ont été collectées, elles ont été rendues transparentes. Et au bout de 6 mois, on s'est retrouvé avec à peu près 150... références médiatiques dans le monde, y compris, je parle du Gabon, hein, y compris jusque Washington Post et les journaux nationaux en Chine, etc. La compagnie pétrolière elle-même est venue voir les différents acteurs, y compris les ONG qui travaillaient sur site. Elle leur a dit, bon écoutez, on arrête là, c'est en train de tourner n'importe comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde s'est retrouvé autour d'une table, physiquement, on se souvient très bien. Et chacun a dit, ben voilà ce qu'il faut faire d'un point de vue technique, voilà ce qu'il faut faire du point de vue des relations avec les populations locales, voilà ce qu'il faut faire du point de vue des élus, voilà du point de vue de l'environnement, du point de vue sociétal, etc. Beaucoup de choses. Et on a décidé de mettre l'entreprise en question en accord avec les administrations, en accord avec la société civile, en accord avec les élus qui étaient impliqués. On a dit, bon écoutez, d'accord, on met en place un référentiel de pratiques légales et de bonnes pratiques, et une sorte d'auditeur indépendant fera un rapport tous les 15 jours pour voir où nous en sommes de notre, pas compliance, notre respect des engagements légaux et même au-delà de la légalité, de ce qui se fait de mieux. Et quoi qu'on puisse dire des entreprises chinoises, alors il se trouve que c'est WCS qui a été mandaté pour faire l'audit avec de l'argent indépendant, évidemment, etc. Et bien, au bout du 3e rapport, c'est-à-dire au bout d'un mois et demi, l'entreprise était quasiment à 90% de conformité avec ses engagements. Au bout de 2 mois, elle était à 100%, et elle a fini sa sismique, puisque la sismique n'a pas été bloquée pour des raisons juridiques. L'exploration était possible, c'est l'exploitation qui n'était pas possible, mais l'exploration était possible, et l'exploration s'est faite selon des normes de très haut niveau. Mais qu'est-ce qui avait été nécessaire? Dans un premier cas de gouvernance, on avait eu des contrats qui avaient été signés quasiment en tête-à-tête entre quelques acteurs puissants, et donc ils ne se sentaient pas tenus de respecter un certain nombre de règles, puisqu'ils étaient trop haut placés pour ça. La gouvernance a changé, le nombre de personnes à la table de négociation a changé, les règles de transparence ont changé, les rapports de force ont changé. Résultat, les mêmes acteurs ont procédé de manière totalement différente. Mais c'est les mêmes acteurs, c'est la même entreprise, qui sont passés d'un comportement, soyons clairs, de bandits, mais autorisé à un comportement exemplaire, tout aussi autorisé. Merci. J'espère que ça répond à votre question, sinon je peux préciser.